C'était celle-là, la dernière photo qu'il m'avait envoyée. C'est pas facile. C'est pas facile de vivre sans lui. Ça fait 3 mois qu'il est incarcéré en Algérie, que j'ai pas de nouvelles et que je peux pas le voir. Le 29 août dernier, Ismaël Snabi, qui est alors en vacances au Maroc, s'offre une virée à jet ski. Accompagné de 3 amis, il part de la station balnéaire de Saïdia, proche de la frontière avec l'Algérie. Au retour, la nuit est tombée. Ils se sont perdus en mer. Ils suivaient la lumière, mais la lumière, malheureusement, c'était l'Algérie. Les 4 amis ont en fait traversé la frontière et se retrouvent dans les eaux territoriales algériennes. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, il ne répondait pas. La dernière photo qu'il m'a envoyée, il était 19h30. Après, plus de réponse. Les gardes-côtes interviennent et c'est là que les versions divergent. Selon les autorités algériennes, les vacanciers ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite. Après avoir, selon eux, tiré des coups de sommation, ils ont tiré sur les 4 amis. Le franco-marocain Bilal Kissi et son cousin Abdelali Mechouar sont tués sur le coup. Ça, c'est le petit ski. L'impact, il est là. Les deux, ils sont morts. L'un d'entre eux, Mohamed Kissi, parvient lui à s'échapper avant d'être secouru par la marine marocaine. Lui assure qu'ils n'ont pas pris la fuite et qu'ils ont au contraire tenté de dialoguer avec les gardes-côtes. Ismaël Snabi est quant à lui arrêté sur place. Il a été jugé pour entrée illégale du territoire et contrebande de véhicules. Il manquait juste les papiers du jet ski pour savoir que le jet ski était bien à jour. C'était pas un véhicule volé quoi. Ils nous ont demandé les papiers du jet ski. Que mon beau-frère il les a transmis. À sa stupéfaction et celle de sa famille, il est définitivement condamné à 1 an et 3 mois de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire et contrebande de véhicules, puisque le jet ski n'a pas été déclaré à la douane avant le franchissement de la frontière. Je trouve que c'était pas normal. Il s'est juste trompé. C'était pas volontaire d'arriver jusqu'à là-bas. Ils se sont juste trompés, la nuit est tombée. Il n'y a rien qui sépare entre le Maroc et l'Algérie dans la mer. Il n'y a rien qui dit qu'ils sont en Algérie. Depuis le 29 août, il est là-bas. J'ai pas vu, j'ai pas de nouvelles. Je suis inquiète au niveau de son état de santé. Il y a mon beau-frère qui est parti le voir, son frère, qui l'a vu, qui l'a bien maigri, qui est dans un état pas bien. Physiquement, il est pas bien. Vous savez combien de kilos il a perdu ? Une 20aine de kilos. J'imagine pas quand il va sortir. Son état va s'aggraver petit à petit, quoi. يخرج عن عند ولادهم ما مشى دار شي حاجه مشى في مشى للبحر مشى في الجيسكي سيتو خايف على ولدي عنده وليدات ثلاثه شكون اللي يبيهم شكون اللي c'est compliqué de vivre sans le père les enfants qui réclament leur père tous les soirs j'ai même des vidéos qui pleurent qui réclament leur père et ça aussi. Non, moi je leur ai dit qu'il est en déplacement, mais déplacement pas 1 an quand même. Ce drame est arrivé dans un contexte de grosses tensions entre l'Algérie et le Maroc. Les liens diplomatiques entre les deux pays sont rompus depuis août 2021 et les frontières fermées depuis 1994. Une conséquence du conflit sur le territoire disputé du Sahara occidental. Sa famille demande aujourd'hui une intervention et un soutien des autorités françaises. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait depuis. Je vais jusqu'à le ministère des Affaires étrangères, on ne me reçoit pas. On me dit non, on ne peut pas vous recevoir. On a envoyé plusieurs courriers pour demander une audience. Ils disent qu'on n'a pas de... on n'a pas reçu. Donc je trouve ça pas normal, quoi. Ça reste un Français. La nationalité française, il est rentré avec un passeport français. Suite à la tuerie, le Maroc a ouvert une enquête. La France aussi a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Elle est toujours en cours. Selon une source diplomatique, plusieurs demandes ont été formulées auprès de l'Algérie pour qu'Ismaël Snabi puisse bénéficier d'une visite consulaire. Mais elle n'a pour l'instant pas eu lieu.